Fanny nous accueillir dans ta cuisine pour cette petite recette qui m'a l'air sympathique. Alors, on y va? Oui, alors on va préparer donc les incornés. Donc on va les nettoyer, tout simplement on va enlever la plume. Donc ce qu'on appelle la plume, c'est l'os dans la sèche. Donc l'incorné, vous voyez, c'est pas... Là, on l'a entièrement. Donc on va garder la poche de noir qui est, on peut la voir ici. Voilà, donc ça c'est l'encre, la petite poche d'encre d'incorné. On va garder une tête entière et on va l'émincer finement. T'as vu, on garde la tête? Oui, je garde la tête de côté. D'accord. Voilà, entière, je ne l'émince pas. J'émince que le tube en fait de l'incorné. Alors, on va le mettre. Et la tête, on va t'en servir? Oui, en fait, je vais reformer l'incorné dans l'assiette. D'accord. Voilà, donc du coup, la tête, je la laisse entière, ça fera un peu plus joli. Voilà, là, il y a le bec. Ouais. Donc, voilà, oh, on a juste à faire comme ça et on le sort. D'accord. Voilà, parce que ça, c'est aussi un petit peu dur, c'est un petit peu de plastique. Ok. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc en poussant comme ça. Par contre, je laisse les yeux. Après, on peut manger que les pâtes parce qu'elles seront bien revenues à la plancha. Mais sinon, après, on peut tout laisser. Hein. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de noir justement dans l'incorné, on peut en acheter chez notre poissonnier. Donc, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est un goût particulier là? C'est, ça sucre un petit peu. D'accord. Et c'est iodé. Donc, on va continuer avec les légumes. On va faire des tagliatelles de carottes. Alors, tagliatelle, un économe, et on fait comme si on l'épluchait. Donc, ça nous fait des petites tagliatelles. Deux carottes. Alors là, ça, carotte violette et carotte blanche. Alors, deux couleurs, ça fait joli. Voilà. Ensuite, la betterave. Alors, betterave rôtie, tout simple, en gros cube. Donc, tu la coupes en cube. Voilà, un gros cube justement pour la faire tenir droit dans l'assiette. C'est toujours pareil, un petit peu de déco. Et c'est très bon rôti. Ensuite, donc, tomates cerises, je les laisse en grappe. La cébette coupée en deux. Et les petits pois gourmands que j'ai préalablement blanchis. Alors, les incornés bien noirs, on va les mettre à la plancha. Voilà, sans rien pour l'instant, pas de matière grasse. On le verra à la fin. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà. On va les laisser bien s'accrocher. Alors, en premier, nous allons mettre la cébette, les tomates et la betterave. Un petit peu d'huile d'olive pour faire rôtir tout ça. Pareil, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Nous allons maintenant faire la crème de chorizo. Dans un blender, un petit peu de chorizo coupé grossièrement. Un petit peu de crème. Voilà, là on le pose sur la plancha, ça va tiédir, s'épaissir légèrement. Alors, pour l'écraser des pommes de terre, patates douces, donc des belles patates douces, coupées en cubes, une purée traditionnelle. Donc, cuite en gros cubes dans de l'eau salée. Et ensuite écraser à la fourchette ou avec un presse-purée et un petit peu de beurre pour la légumes. Ensuite, on va pouvoir commencer à mettre les derniers légumes, donc les tagliatelles de carottes, les pois gourmands, cuisson très rapide. Et nous allons après procéder au glaçage, un petit glaçage. Je prends les doigts. Un petit peu de beurre. Un peu de sel, surtout sur les pois gourmands, parce qu'étant sucré, ça rehausse le goût. Nous allons mettre les rondelles de chorizo
qui serviront à faire comme un genre de chips. Donc on les pose tout simplement, moi j'en mets 3, à la plancha. Maintenant nous allons mettre le beurre à l'ail. Voilà, beaucoup d'ail. Hein. Voilà. Donc oui. Pour le glaçage, je mets un petit peu de vinaigre balsamique et du sucre. Voilà, très peu, hein. C'est juste pour les rendre bien brillants et un petit peu plus sucrés. Alors on va commencer par les tagliatelles. La pâte à douce, ça a un goût particulier. Oui, c'est sucré. D'accord. Alors, on va chercher la tête pour essayer de reformer la cornée. Ça sent super bon. Voilà, on essaie de reformer la cornée. On va couper les chips. Ils sont bons. Donc on va le planter comme ça. Hop. Yeah. Ah, c'est joli. Hein. Voilà, et maintenant, on va passer la sauce. Une couleur bien orange. Ah ouais, c'était tout blanc, hein, c'est bien. Voilà, là, on écrase bien pour sortir le chorizo. Donc là, on en met vraiment très peu. Voilà, comme ça, si jamais votre chorizo est trop fort, ça n'enlèvera pas le goût. Ensuite, un petit peu de déco. Donc ça, c'est de la réduction de balsamique, donc à la mangue. Alors, on va faire un petit peu de décoration. Alors, au basilic. Ah ben, c'est sûr que quand on aime son métier, on fait des jolies assiettes, on se régale. Et ça, c'est de la figue. Magnifique. Voilà. La cornée noire à la crème de chorizo.